Pour la venue de Charles III en France, Emmanuel Macron n'a pas fait les choses à moitié. Francophile, le nouveau roi d'Angleterre, habitué des visites en France, effectue pour la première fois en tant que monarque régnant une visite en France actuellement jusqu'au 22 septembre prochain, accueilli par de nombreux élus, le chef de l'État en tête. Pour le remercier de sa venue et en plus des nombreux événements organisés pour l'occasion, Emmanuel Macron a prévu non pas un mais deux présents d'exception pour son invité, révélé par nos confrères du Parisien ce mercredi 20 septembre. Le premier cadeau se révèle être un objet de collection à la symbolique très forte. Emmanuel Macron a en effet décidé d'offrir au roi une édition originale et numérotée sur les 85 exemplaires existants du roman de Romain Gary Les Racines du Ciel, prix Goncourt de 1986. Un présent évocateur à plus d'un titre, Romain Gary ayant été un résistant français de la Seconde Guerre mondiale ayant trouvé refuge à Londres, marquant là l'amitié franco-britannique, et le roman ayant pour thème central la protection de la planète et notamment des éléphants, une cause qui tient tout particulièrement à cœur au père des princes Harry et William. Pour le second cadeau, Emmanuel Macron a souhaité rendre hommage au roi et à son accession au trône, en lui offrant une médaille en or de la Monnaie de Paris frappée du portrait de Charles III dans son costume traditionnel de la Royal Navy, regardant côté gauche pour respecter la tradition d'alternance des profils de souverains britanniques dans la numismatique, a expliqué un conseiller à nos confrères. Au revers de la médaille, est visible la résidence personnelle du roi, à Higrovars, pour représenter son attachement à l'environnement et à l'écologie, deux causes importantes à ses yeux. De beaux cadeaux désormais connus mais qui soulèvent une question, que va offrir le roi Charles à son hôte en échange? Buckingham Palace a été clair sur ce point, pas question de révéler la surprise jusqu'au moment venu. Charles III et Camilla, les 60 photos qui ont marqué leur histoire d'amour. Charles III, un dispositif de sécurité exceptionnel pour le roi et son épouse en plus de sa visite à Paris, le roi Charles et son épouse la reine Camilla vont également se rendre à Bordeaux, où le roi compte rendre visite à des sinistrés des incendies de l'été dernier, mais aussi visiter un vignoble écologique. La majeure partie de son programme est cependant restée confidentielle, afin d'assurer au maximum sa sécurité. Une décision qui risque de beaucoup perturber les habitants de la région, contraints de trouver une alternative à leurs habitudes à la dernière minute. Du côté des forces de l'ordre, une organisation s'est montée en collaboration des deux côtés de la Manche pour que la sécurité autour du couple royal soit optimale, que ce soit lors de sa visite à Bordeaux mais aussi lors de celle de Paris. Crédit photo, Photoshop panoramique Best Images.